Bien évidemment, mais quand on bat les Américains à Vancouver, par exemple, en demi-finale, c'est les premiers mondiaux, ils sont sur le toit du monde. Et on les bouscule sévère, on leur met 30 points, et donc là, il y a des choses qui s'enclenchent. Et forcément, en nourrissant un peu le schéma de confiance, la notion d'équipe, performer en équipe, ça aide à gravir des échelons majeurs. Et avec l'appui des clubs et aussi la compréhension de certains clubs de ce qu'est le rugby à 7. Hein. Le rugby à 7 ou le beach rugby ou ce que vous voulez, c'est un jeu qui est un peu qui ramène à la genèse du rugby, c'est-à-dire le jeu d'esquive, de contournement, il faut aller chercher des espaces, travailler sur les changements de rythme. Voilà ce qu'on aime dans le rugby, quoi, en quelque sorte. Donc oui, bien évidemment qu'on sentait que le potentiel était là et qu'on pouvait franchir les étapes. Ça a permis aux joueurs de l'équipe de France d'aller casser leur plafond de verre, tout simplement. C'est-à-dire que quand on a un joueur comme ça qui met le pied sur le terrain, les autres se transcendent encore plus et vont chercher le maximum de ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est super. Et ça l'a bousculé aussi, quelque part, parce qu'il avait un peu peur de rentrer dans ce schéma-là. Il sortait de sa zone de confort et il se remit en question pour aller chercher un maximum de plaisir. C'est ce qu'il a réussi à faire et ce que les autres joueurs lui ont permis de réaliser aussi. Dernier mot, c'est tout simple, c'est je leur ai affiché la médaille, je leur ai montré le versant de la médaille et où il y a une déesse qui s'appelle la déesse Nike, qui est la déesse de la victoire, et je leur ai demandé de me penser qu'à ça toute la nuit et de ne voir que ça, en sachant que c'était un message qu'on avait dans la tête depuis 2 ou 3 ans et je l'ai rongé en permanence avec ça, il fallait que ça s'imprime et à partir du moment où on le visualise de la meilleure des façons, je pense qu'on est capable d'aller le chercher.